Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment hécher un ver de côte ou un renicole pour ceux qui préfèrent. Donc là, ce sont des vers qui sont vidés, donc qui sont ébrodés. Donc ça veut dire que j'ai retiré le sang. Vous pouvez après les mettre avec du sang, mais à ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est de mettre de la ficelle, hein, parce que votre appât sera beaucoup plus fragile sur l'hameçon. Donc là, vous pouvez les enfiler à la main, ou alors pour ceux qui ont du mal, vous pouvez utiliser une aiguille. Donc là, je vais utiliser une aiguille pour vous faire voir dans la vidéo. Donc, hop, on va passer l'aiguille dans tout le verre. Tout le long. Hop. Donc voilà, sur le haut de votre aiguille, vous avez un trou. Vous prenez votre hameçon. Bon, moi j'utilise du 4, hein, mais ça peut être n'importe quelle taille d'hameçon. Vous tendez votre fil. Et là, vous faites glisser votre appât sur l'hameçon. Voilà. Donc il y a plusieurs façons, vous pouvez les mettre complets, comme là. Voilà. Ou alors vous pouvez tout simplement mettre des morceaux. Donc ici, on reprend la bonne ligne. Donc là, on va le mettre à la main. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Et on ajuste notre verre de côte de cette façon. Donc voilà, vous avez deux possibilités. Ou alors, je vais vous montrer une autre possibilité que vous pouvez faire. On va le retirer et recommencer. Donc là, hop. Et hop. Faites sortir la pointe de l'hameçon bien avant. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc voilà, là vous n'avez plus qu'à mettre à l'eau. Après pour les grands, vous pouvez faire sortir la pointe de l'hameçon comme un petit aussi si vous préférez. Ça dépend des espèces que vous cherchez. Ou vous pouvez les mettre comme ça en recouvrant totalement l'hameçon. Donc voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.